Bruno Mettling, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand patron, vous avez longtemps dirigé Orange Afrique et aussi d'autres structures, mais votre expérience essentielle de ces dernières années, vous étiez ce patron couvrant 18 pays. Vous avez aujourd'hui choisi de basculer dans un autre cycle de vie professionnelle et de créer Topic. À quoi sert Topic? Quelle est sa vocation? Topic, c'est le fruit d'une réflexion que j'ai vécue en tant que dirigeant, consistant à dire on vit la plus grande transformation à travers la transformation numérique hein, qu'on ait pu connaître, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de nos modèles économiques, de nos business models. On vit la plus grande transformation de ces dernières années avec évidemment cette transformation digitale. Et à un moment donné, où pour avoir observé ce phénomène, pour l'avoir accompagné en tant que dirigeant d'Orange, pour avoir vu le formidable potentiel que ça avait, hein, je pense évidemment à tous ces nouveaux services, aux mobiles en Afrique, mais aussi les risques qui sont derrière, pour avoir observé ça, j'ai souhaité, à un moment donné de ma vie professionnelle, d'une part, transférer les rênes du pilotage d'Orange en Afrique, au Moyen-Orient, à des personnes issues du continent. Chez moi, c'était quelque part quelque chose d'évident, ça faisait une quinzaine d'années que des cadres remarquables issus du continent pilotaient nos activités dans les pays et le moment était venu de passer les rênes du pilotage de la filiale d'Orange dédiée à ces pays à une personne issue du continent, en l'occurrence à l'Union Directe. Donc il y avait à la fois le désir de passer les rênes parce qu'il me semblait plus légitime que quelqu'un issu du continent puisse piloter nos activités sur ce continent, surtout qu'il l'avait vécu de manière remarquable en tant que dirigeant de la Sonatel. Et puis l'autre enjeu, c'était à un moment donné de votre vie, de ma vie, c'était l'idée d'accompagner cette transformation, de prendre du recul, de ne pas être uniquement dans l'opérationnel pour pouvoir réfléchir, accompagner les dirigeants face à cette transformation considérable pour trouver les bonnes réponses. Et elles ne sont pas évidentes. Alors, comment être le plus opérationnel possible dans un domaine où on avance, il y a des avancées considérables, mais on avance aussi à tâtons, c'est-à-dire qu'on découvre une révolution à ciel ouvert. Aujourd'hui, quels sont vos outils hein, pour affronter cette réalité? Le premier des outils, si je peux me permettre, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un outil, ce n'est pas de l'informatique, c'est un état d'esprit. Vous l'avez dit, ce qui caractérise cette transformation, c'est qu'on n'est pas capable d'en fixer très précisément le terme, les modalités, les enjeux, les aspects. On voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet des objets, arrive une nouvelle vague de transformation après qu'on ait connu évidemment la transformation liée au mobile, au big data, etc. etc. Donc on voit bien qu'on est confronté à une succession de vagues et pas à une vague. Voilà. Et dans ce contexte-là, c'est très compliqué pour les dirigeants, qu'ils soient des dirigeants publics, qu'ils soient des dirigeants d'entreprise, de se dire le cap c'est ça, et donc on va aller vers un cap précis. Donc l'état d'esprit, c'est-à-dire cette capacité à être à l'écoute en permanence de la transformation, cet état d'esprit qui consiste face à chaque transformation à se dire quelle opportunité elle comporte, mais aussi quel risque elle comporte pour adresser à la fois les opportunités et les risques, et pas pour être dans une situation de refus de la transformation ou à l'inverse, d'une attitude de béni oui-oui sur la transformation. La bonne posture, c'est celle-là. C'est un état d'esprit, c'est l'idée du test and learn. J'avance, j'apprends, je prends des risques, je peux me tromper, mais je corrige, pour pouvoir capter encore une fois les opportunités, mais aussi anticiper les risques qu'elles comportent. C'est cet état d'esprit, par exemple, par rapport aux nouvelles façons de travailler. Oui. En Europe, on parle beaucoup du télétravail, du new working, etc. Ben, par rapport à ça, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas d'un côté ceux qui disent qu'il faut faire que du télétravail ou ceux qui disent qu'il faut revenir au travail d'antan. Trouver la bonne attitude, le bon équilibre, ce n'est pas évident, mais c'est un état d'esprit avant tout qu'il faut mobiliser. Vous avez, je le disais au début, dirigé Orange Afrique de 2016 à 2021, une longue expérience, 18 pays, une manière de sillonner de long en large ce continent. Que retirez-vous de cette expérience? Oh, beaucoup de choses qu'il est difficile de résumer. C'est sans doute une de mes plus belles expériences que cette responsabilité que m'avait confiée Stéphane Richard de piloter nos activités en Afrique et au Moyen-Orient. Je voudrais en faire émerger deux, trois éléments quand même. J'ai parlé des opportunités de la transformation numérique. Je demeure profondément ému chaque fois que je repense à ces nouveaux services apportés à des populations en zone rurale
qui, sans le mobile, n'aurait eu jamais la moindre chance d'accéder à toute une série de nouveaux services. Je pense à l'énergie, par exemple, à travers le mobile. Je pense au paiement, au transfert d'argent à distance. Bref, le mobile et la capacité qu'il a à accompagner la transformation, les services aux populations, notamment celles qui sont le plus éloignées des centres urbains, c'est une grande émotion. Et je me revois encore à Madagascar, dans un village extrêmement éloigné, sur lequel jamais les personnes qui habitaient ce village n'avaient la moindre chance de voir arriver l'énergie, et qui, grâce à la combinaison du solaire et du mobile, ont pu, chez elles, avoir un équipement très simple qui coûtait 200 dollars, financé par Orange, et un système de location était mis en place, qui le permettait d'avoir accès à la lumière, au froid et au monde extérieur à travers la radio. Je cite cet exemple parce que ces 4 ou 5 kits qu'on avait apportés dans le village, ça restera pour moi une des plus grandes émotions. Oui, la transformation numérique permet de changer positivement la vie des habitants. En même temps, encore une fois, il faut le dire, ce n'est pas sans risque. Il faut que les acteurs africains restent les acteurs de cette transformation numérique. Il ne faut pas que la transformation numérique soit l'occasion de nouveau pour le continent africain, de voir des modèles développés en Europe, en Amérique ou en Asie s'imposer aux sociétés locales. Et ça, ça veut dire en particulier développer massivement les compétences dont l'Afrique a besoin. Et puis, dernier message, je reste un peu déçu, en tout cas un peu sur ma faim, de la manière dont les bailleurs de fonds, dont parfois les dirigeants, qu'ils soient des dirigeants de grandes entreprises ou les dirigeants dans les pays, mesurent bien la portée de cette transformation. Il y a un exemple que je donne dans mon livre, hein, Booming Africa, qui est celui de l'éducation. Pour simplement maintenir un taux de scolarité qui est déjà trop faible, il faudrait construire chaque année en Afrique 1 million de classes avec un enseignant supplémentaire, pour maintenir un taux de scolarisation qui est déjà trop bas. Donc on voit bien qu'il faut, en matière de santé, en matière d'éducation, bien prendre la mesure des défis auxquels le continent est africain et de bien prendre la mesure des potentiels que recèle le digital, par exemple, pour aider l'enseignant à développer des classes avec beaucoup plus d'efficacité et pour avoir des nouveaux modèles d'apprentissage. Voilà. Je m'arrête là pour pas être trop long, mais je reste à la fois... on voit bien qu'on est au début de cette révolution numérique sur le continent. On voit bien qu'elle porte des enjeux considérables pour répondre à un certain nombre de déficits et qu'en même temps, il faut absolument que les compétences soient développées sur le continent pour que les solutions soient apportées par des compétences africaines aux problèmes que rencontrent au problème de ces nouveaux enjeux et de ce développement du numérique. On l'aura compris, c'est une révolution à multiples facettes et qui continue à être à ciel ouvert. Mais sur quoi faut-il pour évoluer vers cette transformation autour du digital? Sur quoi il faut des accoudoirs? Sur quoi faut-il s'appuyer pour pouvoir affronter une complexité nouvelle, et puis surtout, ça exige des moyens pour être dans l'efficience et l'efficacité. Plusieurs choses. D'abord, il faut s'appuyer sur la dynamique de cette jeunesse. J'ai vu sur le continent africain de multiples, évidemment, labs, de multiples endroits où des jeunes bien formés, compétents, avaient des projets formidables. Il faut évidemment accompagner le développement de ces projets et de toutes ces startups qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits appuyés sur cette transformation digitale. Mais ça ne suffit pas. Il faut, deuxième élément, revisiter le mindset, l'état d'esprit, pour bien comprendre que la solution n'est pas dans les modèles, n'est pas toujours dans les modèles historiques, dans les modèles d'avant, par exemple en matière d'énergie, par exemple en matière d'éducation, par exemple en matière de santé, et qu'il faut que c'est ce qu'on appelle l'effet leapfrog, hein, il faut que l'Afrique saute en jambes un certain déficit d'infrastructure, comme on l'a fait sur le paiement mobile. La banque sur mobile a permis à des centaines de millions d'Africains d'accéder aux services bancaires de base sans passer par un contact avec une agence physique que les modèles économiques ne permettaient pas de réaliser. Parce qu'on a réalisé dans la banque sur mobile, il faut le généraliser. Et puis, troisième condition, c'est des vrais partenariats, des partenariats équilibrés. J'insiste en particulier pour que j'ai rencontré des formidables dirigeants d'entreprises privées, le secteur privé africain. Et moi, je crois beaucoup que, puisqu'on parle de l'OME2, de la suite de cette grande négociation entre l'Europe et l'Afrique, puisque j'ai l'honneur de participer du côté des entreprises européennes à la responsabilité de Business Europe dans la Commission Afrique, je veux dire que le développement de vrais partenariats équilibrés avec nos collègues dirigeants issus du continent africain, ces dirigeants d'entreprises africaines, un vrai partenariat privé équilibré est aussi une des clés de la réussite
de ce développement. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de potentialités. Par contre, il faut que le mindset évolue. Il faut que l'Afrique ne perde pas son temps dans des modèles qui sont souvent des modèles anciens et que, par exemple, les bailleurs de fonds, comme je le suggère dans mon livre Booming Africa, consacrent 5 à 10% des montants considérables qu'ils mettent dans toutes les politiques publiques pour accompagner l'émergence des modèles innovants en matière d'infrastructure, en matière d'énergie, en matière d'éducation, des modèles innovants issus de l'économie numérique. Vous êtes un homme enthousiaste et surtout, on voit votre expertise, mais que faut-il faire pour éviter de jouer sur des gadgets, pour être dans la profondeur et dans ce qu'on appelle dans l'action, dans l'action? Bah, à mon avis, il faut plusieurs éléments. D'abord, il faut que les entreprises, il faut que écoutent les populations, identifient les besoins. Et encore une fois, quand je prenais l'exemple de l'énergie, hein, quand je vois qu'on continue dans certains cercles à ne penser énergie qu'à travers des grands barrages ou des solutions traditionnelles, bien sûr qu'il faut continuer, mais qu'on ne mesure pas comment des investissements beaucoup plus limités, à travers plusieurs dizaines ou centaines de milliers de kits solaires, permettraient d'apporter une énergie très rapidement à des populations éloignées de tout réseau. On voit bien que, voilà, les outils existent, les process sont là. Par exemple, quand Orange substitue massivement à l'énergie traditionnelle au diesel pour ses stations, l'énergie solaire, et qu'il construit les panneaux de telle sorte que la population du village en proximité puisse bénéficier de l'accès à l'énergie, et donc au froid, et donc à tous les enjeux qui sont derrière, bah on voit bien qu'on change la vie. Donc, les exemples concrets existent. Le sujet, c'est à quel moment les politiques publiques cristallisent à partir de ces exemples concrets pour en faire des éléments, des généralisations, pour aller à l'effet d'échelle et généraliser et étendre considérablement. On est à ce moment-là. Si je prends un autre exemple que j'aime beaucoup et qui est très important pour moi, l'éducation. On voit bien qu'il existe que Orange, par exemple, la Fondation Orange a développé des centaines de classes virtuelles avec des outils qui permettent d'être beaucoup plus interactifs, d'avoir des moyens en proximité à l'enseignant, d'être beaucoup plus efficace dans la pédagogie et de permettre à un nombre beaucoup plus d'élèves d'accéder à des contenus de qualité. Mais on voit bien qu'il y a un moment donné où ce que fait une fondation d'entreprise pour quelques centaines de classes doit devenir très vite une réponse à l'échelle des centaines de milliers de classes dont le continent a besoin. Donc on voit bien qu'on est à ce moment-là, et c'est le sens de mon appel. Oui, les méthodes existent, les outils existent, les innovations sont là. Et je n'ai pas parlé d'hydraulique avec ces nouveaux outils qui permettent de se renseigner sur où sont les troupeaux pour éviter que les cheptels aillent au même endroit, pour déclencher de manière automatique et maîtrisée l'hydrologie des sols pour permettre évidemment d'alimenter en eau de manière maîtrisée les cultures et le déclenchement à distance. Tous ces outils sont là. La question qui nous est posée, c'est comment je passe de ces outils à des politiques publiques à large échelle et en soutien évidemment aux agriculteurs, en soutien aux artisans, en soutien aux populations, aux citoyens, par exemple en matière de santé. C'est ce problème structurel d'une vision commune et surtout une manière d'opérationnaliser qui pose problème en Afrique. Est-ce que comment aujourd'hui, dans cette relation Afrique-France-Afrique-Europe, comment sortir des gadgets, mais entrer dans une véritable faisabilité d'application, surtout de ces idées pour transformer l'Afrique? Bah, je pense que la révolution qui est en route, elle est incontournable. Si je prends l'exemple de l'éducation, il y a un moment donné où on se rendra compte que la réponse en matière d'éducation ne peut pas venir d'une réponse uniquement classique de construire des classes quand on voit l'ampleur du défi auquel on est confronté. La question qui est posée, c'est le rythme auquel, je le dis avec beaucoup d'humilité, le rythme auquel tous ceux qui conçoivent des politiques publiques, qu'ils soient des bailleurs de fonds, qu'ils soient des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient les autorités politiques, bien sûr, vont parier, comme on le voit dans un certain nombre de pays. Je vais pas, il serait totalement indécent de distribuer les bons et les mauvais points, mais on voit bien que certains pays ont plus massivement joué sur la carte des réseaux, sur la carte des nouvelles méthodes, des nouvelles transnationales que d'autres. Et donc, la question qui est posée, c'est ce rythme d'appropriation des acteurs principalement concernés par les politiques publiques, maintenant que le secteur privé a bâti. Puis l'autre enjeu, je le redis, c'est qu'il n'est pas question que le secteur privé africain soit à l'écart de ce dispositif. Il est la clé, encore une fois. Vous avez des jeunes de grands talents que j'ai rencontrés, qui ont développé des produits. Vous avez, voilà, vous avez des entreprises et des groupes africains. J'ai accepté
d'accompagner en France la filiale d'un grand groupe bancaire panafricain. Voilà. Donc, je sais que la réalité de ces compétences-là, eh bien, il faut que ces acteurs-là ils soient encouragés et ils puissent évidemment massivement représenter et être développer des partenariats pour accompagner cette mutation. On vit la plus grande transformation, c'est vrai sur tous les continents. Il faut définir en Afrique, à l'occasion par exemple des grands rendez-vous Europe-Afrique et de cette grande négociation qui s'annonce, il faut définir les conditions, j'allais dire, d'un modèle africain du développement et de la transformation numérique. Comme vous le dites, c'est bien, vous êtes un grand connaisseur de cet univers, mais aussi, il y a une dimension essentielle, c'est que quand on n'est pas dans le soft power, c'est-à-dire que dans cette création de matière grise et une manière de favoriser l'expertise, on subit ce qui se passe ailleurs. Et comment aujourd'hui être dans l'appropriation et dans l'intériorisation? Tout commence par l'éducation, comme toujours. Vous savez, si en tant que président d'OMEA, je suis aussi fier d'avoir contribué avec Polytechnique, avec l'ENSE, avec l'Institut Mpouadouani en Côte d'Ivoire, avec les autorités de Côte d'Ivoire, à avoir créé la première promotion en Afrique de l'Ouest de data scientists 100% africains, c'était cette conviction qu'il fallait faire la démonstration que sur toutes les compétences du numérique, depuis les codeurs, il y a heureusement d'ailleurs beaucoup d'écoles de code, mais il faut passer, là encore, il faut multiplier l'accès des jeunes au code, à des formations de code, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'exigeants en matière numérique, c'est-à-dire les data scientists. On a fait la preuve que chaque année, on pouvait former des promotions de plusieurs dizaines de data scientists issus du continent. Mais ce qu'une entreprise, un secteur privé a fait en partenariat avec les pouvoirs publics, il faut très vite, encore une fois, changer d'échelle et de généraliser. Donc c'est ça. Tout commence par là. Pour réussir, il faut évidemment doter rapidement l'Afrique des centaines de milliers de codeurs, des élèves. Il faut enseigner le code comme on enseigne les matières élémentaires dans les écoles pour permettre à cette jeunesse d'avoir massivement accès à ce qu'est l'alphabet du numérique. Le code, c'est l'alphabet du numérique. Donc, il faut donner massivement accès à cette jeunesse. Et puis, il faut que ceux qui sont les plus compétents puissent aller. Voilà. Quand le continent disposera sur place de toutes les compétences requises, en tout cas d'un niveau critique de compétences, pour accueillir cette transformation, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on saura développer un modèle qui sera approprié et qui sera opérationnel. L'opérationnalisation, ça démarre par ça. C'est pour ça que c'est aussi important de multiplier les initiatives qui permettent de former, d'enseigner ces technologies, ces compétences du numérique. Pour moi, c'est le point numéro un. Ensuite, il faut créer des écosystèmes favorables pour le développement des entreprises et des initiatives sur le continent, et c'est pour ça que Orange, mais d'autres opérateurs le font, développent évidemment ces Fab Labs pour accompagner l'initiative, la création. Il faut mobiliser du capital pour accompagner le développement d'abord des startups et puis ensuite, quand elles ont l'économie d'échelle, le développement vers ces enjeux-là. Et voilà, et il faut aussi être attentif à ce que les innovations qui arrivent sur le continent soient bien appropriées, définies en fonction des besoins du continent et pas à travers une vision sur les autres continents. Donc c'est tout ça les enjeux. Encore une fois, la preuve est faite, si je puis dire, le prototype est réalisé, il n'y a aucun barrage de principe et ne tombons surtout pas dans les stéréotypes qui feraient penser que, à l'inverse, ce qui manque, ce sont les moyens, le changement d'échelle et la prise de conscience qu'il faut plusieurs années pour amener au niveau requis, que l'innovation numérique arrive très vite et que si les compétences ne sont pas présentes, eh ben, on va retrouver le schéma, malheureusement, des révolutions industrielles précédentes qui ont fait que ce n'est pas depuis le continent africain qu'ont été mobilisées les compétences. Et donc, on risque de rater, du point de vue des enjeux de l'Afrique, cette transformation-là. Je suis assez direct, j'insiste beaucoup. Les réseaux ont progressé. Grâce à la mobilisation de tous, on a maintenant des réseaux, des câblages. On voit la fibre se développer dans les grandes capitales. Voilà, la connexion est aussi un enjeu important, mais on a beaucoup progressé. Les backbones du numérique permettent de couvrir de manière satisfaisante. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, et ceux qui m'entendent, évidemment, diront, mais monsieur Metting, on est loin d'avoir sur toute l'Afrique le niveau de connexion très haut débit dont on a besoin, c'est vrai. Mais reconnaissons ensemble que les choses progressent et progressent bien. Ce qui est important, c'est la maîtrise du contenu et des impacts et des usages, le développement des usages qui seront rendus possibles. C'est que ce qu'on voit, c'est le contraste considérable des évolutions en Afrique, dans ces Afriques dont vous parliez. Mais est-ce que ce mouvement brownien
Est-il véritablement profitable au final à l'Afrique? On voit que c'est un continent dans le désordre, il y a des forces créatives extrêmement fortes, mais tout cela, c'est loin d'être organisé et ça pose un problème véritable pour le développement de l'Afrique. D'abord, ces problèmes, soyons clairs, hein, les problèmes on les rencontre sur la plupart des continents, puisque c'est quand même deux mondes, un nouveau monde qui arrive sur un monde ancien qui a ses règles, qui a ses. Et donc, c'est pas si évident que ça de réussir la transition. Mais c'est vrai qu'il y a une diversité de situations en Afrique, qui est quand même le signe que dans un certain nombre de pays, la conscience dont je parlais, la bascule, l'état d'esprit est en train de se produire. Et donc, c'est la preuve par l'exemple. Donc, la question n'est pas est-ce que l'Afrique numérique. Les potentialités qu'elle recèle arrivera. Bien sûr que ça se produira. On ne peut pas passer à une telle transformation. La question, elle est double. C'est à quel rythme, vu les urgences d'apporter aux populations les nouveaux services, la fameuse croissance inclusive. Et je suis désolé, quand vous n'avez pas l'énergie, quand vous n'avez pas l'électricité, c'est compliqué d'éviter, par exemple, l'exode des populations rurales vers les centres-villes pour avoir accès à l'image, etc. Donc, on voit bien que la première question qui est posée, c'est celle de l'urgence. La deuxième question, c'est de développer des modèles qui soient ceux des besoins du continent en matière d'énergie et pas la projection de modèles construits par ailleurs. Et une fois que vous avez fait ça, évidemment, bah, quelque part, vous déclenchez ces phénomènes boule de neige, vous déclenchez des mécaniques par rapport auxquelles. Voilà. Dernière question, il y a des questions d'éthique qui sont importantes. Par exemple, la propriété des données, c'est un point très important. La souveraineté de l'Afrique du continent doit être respectée. Et donc, je suis de ceux qui disent qu'il faut utiliser aussi que, par exemple, en matière de data, c'est très important de pouvoir, en Afrique, développer un certain nombre d'outils, d'accompagner, mais aussi de respecter la propriété, de respecter la souveraineté, de respecter la confidentialité d'un certain nombre de données. Donc, il faut que les technologies du numérique, je pense évidemment au cloud ou autres éléments, où les data centers restent compatibles avec les enjeux de souveraineté de l'Afrique, d'éthique dans l'utilisation des données. Tous ce sont des éléments, ce sont des débats que l'on doit évidemment sur lesquels il faut se définir et se positionner au niveau du continent africain. Ce que vous dites, ce sont des éléments stratégiques sur cette maîtrise de soi et de ces données, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure, vous voyez que l'Afrique est sur la bonne trajectoire pour pouvoir s'approprier ce que vous dites et aller sur le bon chemin? D'abord, moi j'ai une vision, vous le savez, très positive pour avoir, encore une fois, dans une très belle entreprise, couvert 18 pays. Je vois bien la dynamique de la croissance. N'oublions pas que la croissance du continent africain est le premier pôle de croissance au monde. Il a une dynamique démographique qui est un atout dès lors que l'on accompagne cette croissance démographique des services essentiels et le numérique permet de répondre. Donc j'ai une vision très optimiste à moyen et long terme parce que je sais combien la transformation dont on a parlé aujourd'hui peut permettre d'apporter des solutions au mot MAUX que peut croiser aujourd'hui le développement en Afrique. À l'inverse, je vois bien aussi qu'il y a un certain nombre de conditions pour tirer le maximum de potentialité, pour anticiper les risques. Ne soyons pas naïfs, il y a des vrais risques derrière. Pour anticiper les risques, il y a des conditions qu'il faut réunir et qui ne sont pas toujours présentes. Donc l'enjeu de ce débat, c'est celui-là. C'est le sens de l'histoire, il est écrit. Le rythme de la transformation est une vraie question. Et ensuite, définir les conditions qui feront que l'Afrique tirera le plein potentiel de cette transformation, eh ben c'est des éléments qu'il faut définir d'abord au niveau du continent et de ses responsables. On l'aura compris, vous êtes un afro-réaliste et on voit l'importance de votre expérience, ce retour d'expérience qui est un élément essentiel pour se projeter dans le futur. Merci Bruno Mettling. Je rappelle que vous êtes le créateur aujourd'hui d'une entreprise qui s'appelle le Topic, qui accompagne donc les dirigeants dans leur transformation, dans leur stratégie. Merci d'avoir fourni ce retour d'expérience et cette vision que vous avez de l'Afrique. Merci. Merci à vous.